وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخوتي الكرام Nous sommes arrivés, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, au dernier cours de cette série. Le cours d'aujourd'hui portera essentiellement ou exclusivement sur le paradis. C'est la grande récompense qu'Allah tabarak wa ta'ala a réservée pour ses alliés et ses serviteurs obéissants. Le paradis, c'est une créature d'Allah tabarak wa ta'ala, immense, plus grande que les cieux et la terre. Ce paradis contient des bienfaits et des délices parfaits, non touchés par des défauts, et toutes les descriptions du paradis qui nous ont été citées et rapportées dans le Coran ou à travers la Sunna n'ont été rapportées que dans une perspective de nous inciter à le gagner et à y rentrer, et à le mériter. Car en fait, la réalité de ce qui s'y trouve n'est en rien comparable à ce que nous pouvons nous voir des délices de cette vie d'ici-bas. La seule comparaison qu'il y a, elle est dans les dénominations seulement. Il y a les fruits du paradis et les fruits de cette vie d'ici-bas. Il y a les femmes du paradis et les femmes de cette vie-là. C'est la seule comparaison que l'on peut faire, c'est dans la dénomination. Mais dans la réalité de la chose, ça n'a rien à voir. La preuve de ceci, que le prophète a dit à sa croix, c'est un hadith que nous savons. Allah dit tabaraka wa ta'ala, a'dattu li'ibadi. لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. C'est-à-dire, Allah dit tabaraka wa ta'ala, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur n'a pu imaginer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah suivante: Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Dans la description de ceux qui se lèvent la nuit pour prier, Allah dit ils s'arrachent les côtes de leur lit. تتجافى جنوبهم عن جنوبهم المضاجع يدعون ربهم. Ils invoquent leur Seigneur خوفا وطمعا, par crainte et par espoir, crainte de son châtiment et espoir de sa miséricorde. Et ils invoquent Allah afin qu'il les rétribue de ce qu'il leur de ce qu'il a dépensé. Nulle âme ne sait ce qui lui a été préparé dans l'au-delà, et ceci en récompense de ce qu'il faisait. Donc les délices du paradis sont en rien comparables à les délices de la vie d'ici-bas. Et la preuve de ceci, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'entrée du paradis, maintenant, nous avons dit que les croyants étaient sur ce qantara, dans l'attente de l'entrée au paradis, et l'entrée du paradis ne se fera que par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens iront voir Adam, puis Nour, puis Ibrahim, puis Moussa, Isa, et ils iront voir le prophète Mohammed, comme ils avaient été voir une première fois déjà ces cinq prophètes-là. Et ils iront voir Adam en disant, intercède pour que les portes du paradis s'ouvrent. Et Adam de répondre, alayhi salam, c'est à cause de moi que vous en êtes sortis. Comment je peux intercéder en votre faveur? Alors ils iront voir chaque prophète, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils iront voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui répond, Analaha, analaha, comme il avait déjà dit ceci. Non, cette intercession aussi est pour moi, c'est la mienne. C'est-à-dire qu'il en a l'exclusivité
sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, après qu'on ait rapproché le paradis des croyants, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, on rapprochera le paradis pour les gens pieux, puis le prophète intercédera. Le prophète, le premier à rentrer au paradis, ce sera bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque il dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, d'après la version d'Anas ibn Malik, ana awwalu man yaqra'u bab al-jannati. Je suis le premier qui frappera, qara'a, ça veut dire frapper, qui frappera à la porte du paradis. Et le prophète a dit aussi dans ce hadith-là, enfin dans un hadith, le prophète a dit, nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamati, nahnu awwal man dukhulan lil-jannati. Nous sommes les derniers à être venus, c'est-à-dire chronologiquement parlant, mais nous serons les premiers le jour du jugement à entrer au paradis. Et le prophète a dit à cette fois, salam, nous serons les premiers justement à rentrer au paradis. Hein, rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, la première troupe qui rentrera au paradis aura l'éclat de la lune la nuit où elle est pleine, et ceux qui les suivront brilleront comme la plus lumineuse des étoiles. Donc ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala rétribue chaque personne en conséquence, et tout le monde ne rentrera pas en même temps au paradis. Il y aura d'abord ceux qui auront les premières places parmi les prophètes, les vertueux, les martyrs. Ceux-là rentreront dans la première troupe, le premier contingent, si on peut dire comme ça. Et ils auront les visages aussi clairs que la lune dans une nuit noire. Là. Puis ceux qui suivront auront l'éclat des étoiles dans le ciel. Donc elles sont brillantes, mais beaucoup moins que la lune. N'est-ce pas? Je continue la parole du prophète. Leurs cœurs seront comme un seul cœur. Comprenez maintenant cette parole lorsque nous avons dit que Allah tabaraka wa ta'ala va enlever la jalousie, la haine et la rancœur de chaque croyant. Là. Donc ils rentreront comme un seul homme et comme un seul cœur. Ils ne connaîtront entre eux ni discorde, ni haine, et chaque homme parmi eux possédera deux épouses, si belles qu'à travers la chair de leurs jambes on apercevra la moelle de leurs os. Ils loueront et glorifieront Allah matin et soir, ne connaîtront ni maladie, ni sécrétion buccale et nasale, ce qu'on appelle al-mukhat, ce qui coule du nez, et aussi buccale, ici c'est, on le explique par un autre hadith où ils ne cracheront plus. Non, ils n'auront plus besoin de cracher le surplus de salive qu'ils ont. Leurs récipients dans lesquels ils s'abreuveront seront faits d'or et d'argent. Leurs peignes seront d'or et El Aloua, c'est, vous connaissez la fleur d'aloès? L'aloès? L'aloès, on dit en arabe El Aloua. Le bois de cette plante-là, il dégage aussi une bonne odeur. On en fait un oud, on en fait aussi un encens. Donc le prophète a dit, et l'aloès ou le bois de cet aloès se consumera dans les majamir. Les majamir, c'est cette espèce de récipient où on met justement le oud dedans et on le disperse dans toute la pièce. Non, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Le majmara, c'est où on met le oud. Une espèce de récipient comme ça où il brûle. Donc ils auront aussi des majamir où brûlera justement le oud de l'aloès. Et leur sueur aura l'odeur du musc. C'est le hadith numéro 3246 de l'imam al-Bukhari. Ibn al-Qayyim a dit, rahmallah tabaraka wa ta'ala, هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة ست بعد ثماني السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولى أيضا أولي سبق إلى الإحسان والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاتهم ذهب ورشحهم مسك خالص يا ذلة الحرمان. Ce qui signifie, ceci est le premier groupe et leurs visages seront comparables à la lune le 14e jour, c'est-à-dire la lune du sixième jour après le huitième, c'est-à-dire le 14e jour. Ici, il veut signifier, bien sûr, la pleine lune. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Les premiers seront présents
ainsi que ceux qui auront fait les bonnes œuvres dans la bienfaisance et dans la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce seront les premiers. Quant aux autres groupes, ils seront aussi brillants que les étoiles dans le ciel. Donc vous voyez qu'il a repris, Ibn Qayyim, il a repris quoi? La parole du prophète, ça s'appelle. Alors que l'autre groupe auront l'éclat des étoiles dans le ciel, que l'on voit à l'horizon et que tout œil peut voir. Leurs peignes seront faits d'or et leur sueur sentira le musc, un musc pur. Ô toi qui te seras privé de tout ceci. Et là il s'adresse bien sûr au kuffar. Ya dillat al-harmani, ô toi qui as été humilié en te privant de tout ceci. Aussi, parmi ceux qui rentreront au paradis, 70 000 hommes, 70 000 hommes qui rentreront au paradis sans rendre de compte ni être châtiés. Comme l'a dit le prophète, hadith de l'imam al-Bukhari, hadith d'Abdullah ibn Abbas. Or, l'imam Ahmed aussi a rapporté, par une chaîne de transmission authentique, que pour chaque 70 000, 70 000 autres. Donc vous faites le calcul, ça fait 70 000 au carré, on doit faire 1 million et quelques. Non, j'ai pas fait le calcul. Donc, c'est 70 000 là, et pour chaque 70 000, 70 000, tous ceux-là rentreront au paradis sans être jugés ni châtiés. Hein? Le premier hadith a été rapporté par le même al-Bukhari et le deuxième a été authentifié par Cheikh Ibn Albani. Le premier à rentrer au paradis seront les pauvres parmi eux et notamment les pauvres de Quraysh. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres parmi les immigrés précéderont les riches le jour du jugement au paradis de 40 ans. Et on a un deuxième hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres parmi les immigrés rentreront avant leurs riches de 500 ans. Les deux hadiths sont authentiques. Le premier dit 40 ans, le deuxième dit 500 ans. Comment on réunit les deux hadiths? En fait, pour expliquer les deux hadiths, c'est que les premiers qui rentreront au paradis, parmi les gens de bien, bien sûr, ce seront les pauvres de Quraysh. Hein, à condition, bien sûr, qu'ils auront les fastes et qu'ils auront la vertu et la piété qui était la leur. Hein. Si ce sont des gens qui ont fait des péchés ou qui sont de seconde classe, ils ne sont pas concernés par ce hadith du prophète. Alors, les pauvres rentreront, commenceront à rentrer. Puis, lorsque le dernier des pauvres rentrera, il va se passer 40 ans avant que le premier des riches rentrera. Vous avez compris? Entre le premier pauvre et le dernier riche qui rentrera, il y aura 500 ans. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non. Voilà comment on réunit, comment les savants réunissent les deux hadiths. Donc les premiers, ce seront les pauvres, puis jusqu'au dernier. Ensuite, entre le dernier pauvre et le premier riche, il y aura 40 ans. Et ensuite, jusqu'au dernier riche qui rentrera. Et tout ce laps de temps, ou tout ce temps-là, entre le premier pauvre et le dernier riche, sera de 500 ans. Après. Aussi, parmi les choses qui feront que... qui concernent justement l'entrée des gens au paradis, c'est qu'à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala permettra aussi l'intercession de personnes qui seront déjà rentrées en enfer, hein, parmi les croyants. Nous avions dit que les croyants peuvent être touchés par le feu de l'enfer, n'est-ce pas? Alors, les intercessions ici seront effectives, se produiront à ce moment-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera entre autres aux anges Allah demandera d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire sortir du feu les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira comment je les reconnaîtrai-je, et on lui dira Allah tabaraka wa ta'ala a interdit au feu de brûler la trace de prosternation sur le front. Quand ils sortiront du feu, on fera couler sur eux, là, il y a deux versions du hadith, une eau qu'on s'appelle, une eau qui vient d'un fleuve qui s'appelle Nahru al-Haya, le fleuve de la vie. Et dans une autre version du hadith, c'est une pluie. Et cette pluie-là va les laver et ils vont repousser, comme l'a dit le prophète, comme une graine pousse et se développe sur le bord d'un torrent. Les caractéristiques du paradis. Donc, comme je l'ai expliqué, les caractéristiques du paradis, elles sont presque indescriptibles. Et elles n'ont pas d'équivalent à ce que nous voyons dans cette ville.
Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dunya, sijnul mu'min, wa jannatul kafir. Cette vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Pourquoi je vous ai rapporté ce hadith ? Pour que vous réalisiez, que nous réalisions d'une manière générale, et que nous relativisons toutes choses. Tout ce que vous voyez, tous les bienfaits dont jouissent les mécréants dans cette vie d'ici-bas, comparé à ce qui attend les croyants dans l'au-delà, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est quelque chose, la personne, quand elle rentrera au paradis, elle se remémorera de tout ce qu'elle a fait dans cette vie d'ici-bas et tous les délices qu'elle a. Et elle va tous les oublier. Pourquoi ? Car ils paraîtront insignifiants devant les délices du paradis. Et le musulman, il doit justement relativiser et faire attention. Ne pas se laisser embarquer, ne pas se laisser envahir par la parure de cette vie d'ici-bas qui n'a aucune espèce de valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car comme je vous le rappelle, si cette vie-là avait la valeur de l'aile ou du poids de l'aile d'un moustique, Allah n'aurait pas permis aux mécréants de boire une seule gorgée. Hein? Si cette vie-là avait une valeur aux yeux d'Allah, alors Allah n'aurait pas permis aux mécréants de boire une gorgée d'eau, qu'ils puissent boire une gorgée d'eau. Mais vous voyez qu'ils jouissent, ils s'amusent, ils sont dans l'insouciance, dans l'indifférence. Ceci montre bien que cette vie-là n'a aucune espèce d'importance auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais elle est maudite. Ad-dunya mal'ouna wa ma fiha. Cette vie-là est maudite et tout ce qu'elle contient, illa al-ilm wa al-dhikr. Sauf la science et le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce paradis aura des palais dont les briques seront en or et en argent et dont la jointure de ces briques sera faite de musc. Les portes du paradis maintenant. Allah dit tabaraka wa ta'ala Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Les jardins d'Éden dont les portes seront ouvertes. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Jusqu'à ce qu'on les emmènera, jusqu'à ce qu'ils viendront devant les portes, et à ce moment-là, ou puis on les ouvrira, et les gardiens leur diront Salamun alaykum, qui est la salutation des gens du paradis. Vous avez été vertueux, tibtum fadkhuluha khalidin, rentrez-y pour l'éternité. Ces portes sont au nombre de 8 et l'une d'entre elles s'appelle Ar-Rayyan. Et elle est spécifique à ceux qui auront été de grands jeûneurs. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى ريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيره. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم le paradis contient 8 portes et une de ces portes s'appelle Ar-Rayyan, qui veut dire littéralement la source d'eau. Ne rentrera par cette porte-là que As-Sa'imun, ceux qui auront jeûné régulièrement. Puis, lorsqu'ils y seront rentrés, on refermera cette porte et plus personne ne pourra y rentrer ou ne pourra rentrer au paradis par cette porte-là. Donc chacun rentrera par la porte qui lui convient. Certains rentreront par la porte qu'il voudra, comme Abu Bakr. Le prophète a dit à cette fois-là, Man kana min ahli sadaqa, du'ya min babi sadaqa. Wa man kana min ahli jihad, du'ya min babi jihad. Wa man kana min ahli as-sala, du'ya min babi sala. Wa hakada. Chacun rentrera par la porte par rapport à l'acte d'adoration sur lequel il était constant et assidu. Or, Abu Bakr rentrera par la porte qu'il veut. Puisque Abu Bakr a posé cette question au prophète, Ya Rasulullah, est-ce possible qu'une personne rentre par toutes les portes ? C'est-à-dire qu'il a été un grand jeûneur. Il a fait toutes les portes de bien, il les a ouvertes dans cette vie d'ici-bas. Alors,
Le prophète, il a dit oui, j'espère qu'il y en aura un et je pense que ça sera toi. Ou Abou Bakr. La distance entre ces portes, ou entre les deux battants de cette porte, est de 40 ans. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innama bayna al-masra ayni fil jannati masiratu arba'ina sana wa la ya'tiyanna alayhi yawm. Le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux battants de ces portes du paradis, il y a 40 ans de marche. Imaginez-vous une porte entre ces deux battants, 40 ans de marche. Ça, c'était concernant les portes du paradis. Maintenant, les degrés du paradis. قال الله تبارك وتعالى من يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Quant à celui qui viendra croyant et qui aura fait de bonnes œuvres, ceux-là auront les hauts degrés du paradis. Effectivement, au paradis, il y a des degrés. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans son immense miséricorde, est aussi juste, Jalla wa ala. Et il ne récompense pas les gens bienfaisants comme les gens qui auront fait des péchés. Donc les degrés du paradis seront en conséquence des actes du serviteur dans cette vie d'ici-bas. Aussi, chose importante, c'est que les degrés entre eux sont très éloignés. Très très éloignés. Chaque niveau au paradis, l'un par rapport à l'autre, est très très éloigné, comme le hadith que je vais vous citer d'ici peu, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala. Unzur, kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd, wa lal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. C'est-à-dire, regarde comme nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, et certes dans l'au-delà, les degrés seront plus grands et auront plus de distance les uns par rapport aux autres. Ceci nous montre une fois de plus que les délices dans l'au-delà ne peuvent être similaires à ceux de cette vie d'ici-bas. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna ahla al-jannati yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkaba al-dughriya al-ghabira fi al-ufuq min al-mashriq wal-maghrib. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Les gens du paradis, comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, pourront apercevoir les habitants des pavillons au-dessus d'eux comme l'étoile brillante qui continue de luire aux horizons d'Orient et d'Occident. Tant est grande la distance qui les sépare. Ce sont, lui dit-on, les demeures des prophètes, et nul autre ne peut y parvenir. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répliqué et a dit, si vraiment par celui qui tient mon âme entre ses mains, ces demeures aussi appartiendront, ça c'est sous-entendu dans le hadith, et c'est comme ça qu'on le comprend, ces demeures aussi appartiendront à des hommes qui ont cru en Allah et ajouté foi à la parole de ses envoyés. Donc nous avions évoqué ce hadith pour montrer les degrés qu'il y a au paradis. Tout ne sera pas au même degré. Et ceci, bien sûr, au regard des efforts qu'aura consenti à faire la personne dans cette vie ici-bas. Ibn al-Qayyim yaqulu, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, wa yara alladhina bi zaydiha min fawqihim mithla al-kawakib ru'yatan bi'iyani ma dhaka mukhtassan bi rusulillahi bal lahum wa lis-siddiq zil imani. Qui va à peu près dans le même sens que le hadith. À qui appartiendra les plus hauts degrés du paradis? L'imam Muslim rapporte que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, alayhi salam, a demandé à son Seigneur, quel est celui qui aura la plus petite position et le plus bas degré parmi les gens du paradis? Alors Allah dira, tabaraka wa ta'ala, c'est un homme qui viendra après que les gens du paradis seront déjà rentrés. On lui dira, entre au paradis. Il dira, par mon Seigneur, comment pourrais-je rentrer au paradis alors que les gens ont déjà rejoint leur demeure et ont déjà récupéré tout ce qu'ils avaient à récupérer. On lui dira, accepterais-tu de posséder ce que possède un des rois de ce bas monde? Il dira, ô Seigneur, j'accepte. Il dira, tu auras ceci et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, 4 fois. Je reprends exactement les termes du hadith ici. Au bout de la 5e fois, il dira, j'accepte. Il lui dira,
tu auras ceci et 10 fois son équivalent, et tu auras ce dont ce que ton âme désire et ce dont tes yeux se réjouissent. Il dira, j'accepte au Seigneur. Puis Moussa demandera, quel est celui qui aura les plus hautes positions au paradis? Alors Allah lui dira, tabarak wa ta'ala, ce seront ceux que j'ai choisis et élus. J'ai affermi leur honorabilité. Karamatahum. Gharastu karamatahum. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi, c'est dans le sens, gharastu ici, c'est le sens de raffermir. À la base, gharasa, ça veut dire planter quelque chose. Ici, Allah va confirmer, consolider l'honneur qu'ils auront et cette place honorable qu'ils auront au paradis. Alors, ce sont des gens que j'ai choisis et j'ai affirmé leur honorabilité qui n'est pas sujette au changement. Ils auront ce que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et ce que aucun cœur n'a pu appréhender. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset coranique suivant. Aucun être ne saura ou ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Comme ceci est rapporté dans ou cité en surat al-Sajda. Hadith est rapporté par l'imam muslim d'après la version de Al-Mughira ibn Shu'bah. Ça, on parle ici de catégories de personnes. Non. Maintenant, quelle est la personne qui aura la plus haute distinction au paradis? Bi'ayniha. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, من قال حين يسمع الأذان اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة. Celui qui dira lorsqu'il aura entendu l'adhan, ô Seigneur, donc c'est le dua que la personne va faire, notamment en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une invocation parfaite, ainsi que ses prières donnent à Mohammed ou octroient à Mohammed al-Wasila. Les compagnons ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, qu'est-ce que l'Wasila? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, le plus haut degré du paradis, al-Wasila. Non, bissin, Rissab al-Swad, bissin, Wasila. Il n'y a qu'un seul homme qui l'atteindra et j'espère être celui-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les catégories de ceux qui auront les plus hauts degrés, quelles sont ces catégories de croyants? Premièrement, les martyrs. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à leur sujet, « Oulaïka alladhina yatalabbatuna fil ghurafil ula min al-jannah. » On parle des martyrs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ceux-là, ce sont ceux qui fouleront le sol dans les hauts degrés des jardins du paradis. » Là, les martyrs. Aussi, ceux qui viennent en aide aux orphelins et aux veuves. Ça paraît être un acte banal, mais il a une place, une valeur grandiose auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Pour preuve, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Es-sa'i ala al-armala wal-miskin kal-mujahidi fi sabilillah. » Celui qui court au secours de la veuve et du pauvre, de l'indigent, il est comparable aux combattants dans le sentier d'Allah. Hein? Donc s'il est comparable à lui dans les mérites, il sera comparable à lui aussi dans les degrés du paradis. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ahsibuhu wa ahsibuhu » et je le considère comme ceci, وقال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. Il est comparable à celui qui prie sans s'arrêter et celui qui jeûne sans interrompre son jeûne. Imaginez-vous. Quelqu'un qui est au service d'une veuve ou d'un orphelin ou d'un pauvre d'une manière générale. Aussi l'orphelin a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إصبعين من أصابعه. Le prophète a dit, celui qui prend en charge un orphelin avec ses biens ou avec les biens de cet orphelin-là, quand même, il prend sa charge, et il veille à son éducation, alors le prophète a dit, moi et lui, nous serons comme ça au paradis. Aussi, parmi les choses qui feront en sorte que la personne atteindra les hauts degrés du paradis, c'est lorsque l'enfant fera des doas pour ses parents. Et ceci est corroboré aussi par beaucoup de hadiths. Maintenant, concernant la description du paradis. Awalan, sa terre. Comment sera le sol au paradis? Il sera fait de musc, comme ceci a été rapporté dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari ou Muslim. Et dans une autre version, il sera fait de zafran, de safran. Ce qu'il faut savoir, d'une manière générale, puisque là nous allons évoquer beaucoup de descriptions du paradis, il faut savoir que toutes ces descriptions-là, vous ne pouvez pas les comparer complètement à ce que nous voyons dans cette vie d'ici-bas. Lorsqu'on parle du musc au paradis, c'est un musc qui est pur, hein, qui n'est pas altéré et qui ne s'altère pas dans le temps, contrairement au musc dans cette vie d'ici-bas. Pareil pour le miel, pareil pour le lait, bref, tout ce qui est au paradis n'a de comparaison avec et de similitude avec ce qu'il y a dans cette vie-là que dans la dénomination. Mais dans la réalité de la caractéristique, bien sûr, ceci n'est pas comparable. Les fleuves du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, évoque les fleuves du paradis. Et lors de son voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quatre fleuves qui découlaient de l'arbre de Sidratul Muntaha. Nous avions parlé de cet arbre-là. Sidratul Muntaha, c'est Al-Sidra, c'est ce qu'on appelle le jujubien en français. Al-Sidra. C'est un arbre qu'il est interdit de couper. Le prophète a interdit de couper cet arbre, le jujubien. Al-Sidra. Dans les cieux, il y a un arbre qui marque la limite qu'il ne faut pas dépasser. On l'appelle Sidratul Muntaha. Shajaratu Sidratil Muntaha. Alors le prophète, lorsqu'il s'est approché de cet arbre-là, il a vu que de cet arbre-là coulent ou découlent ou sortent quatre fleuves. Deux qui sont apparents, deux qui sont plus ou moins cachés. Hein? Alors le prophète a questionné Jibril sur ces quatre fleuves. Et Jibril de répondre, alayhi salam, il a dit que les deux fleuves apparents ou les deux fleuves cachés, ce sont deux fleuves du paradis. Et les deux fleuves apparents sont le Nil et l'Euphrate. Aussi, parmi les fleuves du paradis, nous avons Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar, fassalli li rabbika wanhar. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fleuve qu'Allah m'a promis et qui contient beaucoup de biens. Parmi ses caractéristiques, de part et d'autre de ce fleuve, il y a des espèces de... En fait, on appelle ça des voûtes, qibab, mais l'eau. Des voûtes ou des qibab, des espèces de tentes, mais en forme de perles creuses. De part et d'autre de ce fleuve. Ça, c'est déjà une première chose. Sa terre, la terre autour de ce fleuve, est faite de musc et son eau est plus blanche que le lait et plus suave que le miel. Nous avions parlé de ce fleuve puisque le jour du jugement, lorsqu'il y a eu le jour des comptes, les croyants sont venus s'abreuver au bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez? Et le bassin du prophète, Al-Hawd, n'est ni plus ni moins qu'un bassin qui découle du Kawthar. Donc, il a les mêmes caractéristiques que nous avions citées que le Kawthar. Viendront s'y abreuver, là je reprends la parole du prophète, viendront s'y abreuver des oiseaux au cou comparable à ceux des chameaux. Allah dit tabaraka wa ta'ala. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun.
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Et voici la description du paradis qui vous a été promis. Il y coule des rivières, d'une eau qui ne se tarit jamais. Ghayru asin, comme l'a dit Abdurrahman ibn Sa'di, ghayru asin, c'est-à-dire que cette eau-là, elle ne tarit pas, elle ne change pas. Elle reste pure tout le temps. Contrairement à l'eau d'ici-bas, qui peut, à cause de sa stagnation, qui peut devenir impure, qui peut dégager une mauvaise odeur, changer de couleur, changer de goût. Celle-là, non. غير آسن. Elle ne change pas. Non, elle reste pure. وأنهار من لبن. Aussi, des rivières de lait, dont le goût aussi ne change pas et ne se corrompt pas. Aussi, des rivières de vin, qui seront une jouissance pour ceux qui en buvront. Et enfin, des rivières d'un miel pur, qui n'est pas touché par ce qu'on appelle al-shama, c'est-à-dire la cire qui vient se coller au miel, ou alors toutes les impuretés qui viennent se coller au miel. Ces quatre-là, ces quatre fleuves décrits dans le Coran, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par, et rendu bon par Cheikh l'Albani, rahmallahu tabarak wa ta'ala, ces quatre fleuves découlent de quatre mers du paradis. Quatre mers. Une de khamr, de vin. Quand on dit le vin ici, ce n'est pas le vin d'ici-bas qui est infect au goût et qui a une odeur aussi bizarre et qui enivre. Le vin du paradis est tout autre. Une mer de miel, une mer de lait et une mer d'eau pure. Allahu Akbar. Concernant maintenant les sources d'eau du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe dans le Coran que les croyants boiront de différentes sources. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Certes, les gens bons et vertueux buvront dans des coupes dont le mélange sera fait de kafour, qu'on appelle en français le camphor. Ici, le kafour, cette substance-là, elle sera délicieuse au paradis. Or, ça, c'est pour l'abrar. Abrar, c'est des gens vertueux. Mais au-dessus de l'abrar, il y a une catégorie de croyants qu'on appelle al-muqarrabun, les rapprochés d'Allah, qui sont un degré au-dessus. Ceux-là buvront dans des coupes d'une eau qui ne sera pas mélangée au kafour, qui sera pure. Non, donc, elle sera meilleure. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à leur sujet, عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. Dans le même verset. Cette eau-là, qui sera mélangée au kafour, elle proviendra d'une source dont boiront de celle-ci directement avant le mélange, qui عِبَادُ اللَّهِ, les serviteurs d'Allah. Ceux-là, ce sont les muqarrabun, les rapprochés. Aussi Allah dit tabarak wa ta'ala, innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yandhurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Certes, les vertueux seront dans les délices, accoudés, ils se regarderont. Tu verras la félicité et la splendeur se dégager de leur visage et ils seront abreuvés d'un nectar cacheté. Rahiq al-Maktoum. Non. Dont le cachet sera le musc. Allah. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Et seront abreuvés de coupes dont le mélange sera fait de gingembre, zanjabil. Non. Concernant maintenant les demeures et les palais du paradis. Faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jannati ghurafan
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث authentique rapporté dans صحيح الجامع authentifié par Cheikh Al-Albani. Prophète a dit à sa toi salam, il y aura au paradis certes des palais dans lesquels on pourra voir l'extérieur de l'intérieur, qu'Allah a réservé pour toute personne qui aura nourri les pauvres, qui aura été doux dans ses propos, qui aura jeûné continuellement et qui se sera levé la nuit pour prier alors que les gens étaient plongés dans leur sommeil. Nous évoquons aussi le palais de Omar ibn Khattab radiallahu tabaraka wa ta'ala, un peu plus tard, inshallah tabaraka wa ta'ala. Concernant les tentes al-khiyam du paradis, Allah dit tabaraka wa ta'ala, hurum maqsuratum fil khiyam. Donc des hur, nous, inshallah, nous évoquerons el hur al-ayn en détail, inshallah tabaraka wa ta'ala. Donc des huri, des femmes du paradis cloîtrées dans al-khiyam. Al-Khiyam, ici, ça veut dire les tentes en arabe, les tentes. T-E-N-T-E-S. Alors ici, les tentes du paradis ne sont pas comparables aux tentes d'ici-bas. Les tentes du paradis, comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce sont des perles creuses. D'âme très immense, très grande et magnifique. À titre d'exemple, la demeure de Khadija, Bintu Khuwaylid, radiallahu tabaraka wa ta'ala, qui, comme vous le savez, est la première épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, Allah tabaraka wa ta'ala, lui a fait l'annonce du paradis de son vivant. Non. Lorsqu'un jour elle est arrivée avec un récipient de la nourriture, il y avait Jibril qui se trouvait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala Jibril lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa idha atatka, yani Khadija, faqra 'alayha. فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Lorsque tu la verras, regardez les femmes qui ont du poids, non. Lorsque tu la verras arriver, adresse-lui le salam de la part de son Seigneur et de ma part. Imaginez-vous. Allah tabaraka wa ta'ala, du haut de ses cieux, lui a adressé le salam. Et fait-lui la bonne annonce d'une demeure au paradis, Al-Qasab. Sans rentrer dans les détails, Al-Qasab ici, ça veut dire le roseau à la base. Or ici, ça veut dire une demeure, justement, en perle creuse. Non. Pourquoi ici on l'a appelé Qasab? Pour plusieurs raisons. Ibn Hajar al-Asqalani dit que du fait que le qasab, le roseau, il est droit, il est mustaqim, ceci est une récompense aussi de sa droiture dans cette vie d'ici-bas. Elle était droite sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez bien la description de cette demeure. La sahaba fihi wa la nasab. Il n'y aura aucun bruit gênant dans cette demeure et aucune fatigue ne pourra la toucher. En récompense du refuge qu'elle a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les premiers temps de la révélation. Lorsque le prophète a été rejeté par tout le monde, la première qui a cru au message, c'est qui? Khadija. Et elle confortait le prophète. Et la demeure de Khadija était un endroit de paix et de repos pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala la récompensera comme elle a secouru l'islam, binafsiha wa maliha, radiallahu tabaraka wa ta'ala, par son argent et par sa propre personne. Omar ibn Khattab aura un palais aussi au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu un palais au paradis et non loin de là, dans la cour de ce palais, il y avait une servante. J'ai demandé, à qui appartient ce palais? Et dire, il appartient à Omar ibn Khattab. J'ai voulu y rentrer et
j'ai voulu y rentrer et le regarder, le contempler, et je me suis rappelé de la jalousie de Omar. Donc je suis parti. Donc le prophète, il raconte ça. Omar, il est présent, imaginez-vous. Omar a répondu, radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, mon père et ma mère te servent de rançon, ya Rasulallah. Devrais-je être jaloux de toi? Aussi, parmi les demeures du paradis, il y aura celui qui aura construit une mosquée dans cette ville d'ici-bas, ou qui aura participé à la construction d'une mosquée. Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera aussi une demeure au paradis en conséquence. Non. Ce hadith-là, il doit nous motiver, inshallah, notamment dans le projet de cette mosquée. Maintenant, toute autre chose, mais qui est toujours dans le sujet du paradis. Au paradis, il n'y aura pas de jour ni de nuit. Non. Il n'y aura plus de jour et de nuit, succession des jours et des nuits. L'imam al-Qurtubi rapporte que Abu al-Faraj ibn al-Jawzi a dit, il n'y aura pas au paradis de jour et de nuit. Ils seront dans une lumière ininterrompue. Ils connaîtront la longueur des nuits lorsque le voile sera rabaissé et les portes fermées, les portes du paradis fermées. Et la longueur du jour lorsque le voile sera levé et les portes ouvertes. Effectivement, il n'y aura plus de jour et de nuit, mais il y aura des jours dans le sens de la durée de la journée. Donc il y aura un matin et un soir, non, mais plus de nuit. Vous avez compris, les frères? D'ailleurs, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Et ils auront leur récompense matin et soir. Comment on comprend matin et soir au paradis? Ça ne veut pas dire qu'ils vont dormir, puis ils vont se réveiller, puis ils vont dormir, puis ils vont se réveiller. Il n'y aura plus de sommeil au paradis, puisque le prophète a dit à sa toi salam, le sommeil est le frère de la mort. Le sommeil est le frère de la mort. Or, au paradis, il n'y a plus de mort. Donc, plus de sommeil non plus. Non. Donc, les gens, comment ils sauront qu'ils seront le matin ou comment ils sauront qu'ils arriveront le soir? Par des signes distinctifs. Non. La lumière du matin sera plus éclatante que celle du soir. Aussi, le matin, les portes s'ouvriront et Allah tabaraka wa ta'ala se dévoilera aussi. Non. Et le soir, le voile se rabaissera, comme on le verra, inshallah tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir a dit concernant ce verset coranique, c'est-à-dire que l'heure du lever et du coucher, c'est-à-dire qu'ils seront rétribués ou ils recevront leur subsistance à l'heure du lever et du coucher. Et non pas le fait qu'il y aura des jours et des nuits, mais à des moments successifs, desquels ils connaîtront l'ancien jour du nouveau jour, si on peut le dire comme ça, à cause de la lumière qui sera beaucoup plus vive. Cheikh d'Islam aussi a dit qu'au paradis, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni jour, ni nuit. On reconnaîtra le matin et le soir grâce à une lumière provenant du trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme ceci a été rapporté dans Majmu' al-Fatawa. Concernant maintenant l'odeur du paradis. Cette odeur-là, bien sûr, l'odeur du paradis, c'est une odeur qui est presque enivrante. C'est une bonne odeur presque enivrante et elle est détectable à 40 ans, 40 années de marche. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man qatala mu'ahadan » Celui qui tue quelqu'un qui est sous un pacte avec les musulmans, volontairement. « Man qatala mu'ahadan »« Falam yarih ra'ihat al-jannah »« Fa inna ri'haha yujadu min masirati arba'in ama » Celui-là ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur est détectable à 40 ans de marche. Hein? Ça, c'est un message pour Daesh et les autres. Non. Donc l'odeur du paradis, c'est une odeur qui prend tous les sens. Non. Concernant maintenant les fruits du paradis, les descriptions dans le Coran sont nombreuses. Bien sûr, je ne vais pas tout ramener ici, sinon vous ne finirez pas le cours. Mais on peut en citer quelques-unes. Par exemple, « Al-A'nab wa-rumman wa-thamarat » Allah dit tabaraka wa ta'ala « Inna lil-muttaqina mafaza hada'iqa » وأعناب. العناب, c'est-à-dire le raisin. Bien sûr, n'est pas comparable au raisin de cette vie d'ici-bas. Pareil, Allah dit tabaraka wa ta'ala,
فيهما فاكهة ونخل ورمان في سورة الرحمن. Il y aura dans ces paradis des fruits, des palmiers et des grenades. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. Il y aura toutes sortes de fruits ininterrompus, c'est-à-dire des fruits, pas comme les fruits que nous on a dans nos arbres fruitiers. Si tu ne les cueilles pas, au bout d'un moment, ils tombent, ils dépérissent. Alors que ces fruits-là, non seulement ils restent, et quand on les cueille, il y en a un autre qui revient juste après. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle dans le surat al-Waqi'a, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وسدر محدود وطلح مندود. محدود, ça veut dire un jujubier qui ne possède plus d'épines. Car le jujubier, il a des épines. Celui-là, il sera غير محدود, c'est-à-dire sans épines. وطلح, الطلح, c'est une espèce d'arbre sur lequel, en général, on cherche l'ombre. مندود, c'est-à-dire sur lequel on pourra justement chercher l'ombre. Or, el-talh, c'est un arbre dont l'ombre n'est pas grande. Et de même, les fruits du jujubier sont très petits. Donc vous voyez que ici, Allah tabaraka wa ta'ala a donné la description du jujubier avec des fruits très petits, ou el-talh, qui a une ombre qui est très petite. Malgré ceci, elles seront dans des proportions immenses. Que dire alors des autres arbres fruitiers avec des fruits plus gros? À plus forte raison, comme l'a dit Ibn Kathir, comme l'a dit Ibn Kathir, Allah a décrit le plus petit pour désigner le plus grand. Allah a décrit et a cité la plus petite des choses dans le Coran pour désigner des choses beaucoup plus grandes, non, par extrapolation, parmi ce qu'Allah a créé, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces fruits? Ils seront à portée de main. Non. Allah dit tabaraka wa ta'ala, kutufuha daniya. Kutufuha daniya. La cueillette, elle sera à portée de main. Pas besoin de prendre une échelle, de monter ou de casser une jambe pour aller prendre des fruits. À portée de main. Ils seront ininterrompus et accessibles à tout moment. Et ils auront des goûts et des couleurs indescriptibles. Allah. Lorsque les gens du paradis verront ces fruits, et ils verront qu'ils ressemblent aux fruits de cette vie d'ici-bas, ils diront, Comme Allah rapporte ceci dans le Coran, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا رُزِقُ قَالَ هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Et à chaque fois qu'on leur octroiera des fruits à titre de subsistance, ils diront, nous avons déjà connu ceci dans la vie d'ici-bas, avant qu'ils y goûtent, mais d'apparence. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala wa utu bihi mutashabiha. On leur fera venir des choses semblables. Wa utu bihi mutashabiha, semblables juste dans la dénomination. Naam. Bref, les descriptions de tout ceci sont à profusion dans le Coran. Retournez par exemple à Surat An-Naba, Surat 78, ou la Surat numéro 56, ou alors la Surat numéro 55, Ar-Rahman, et d'autres sourates qui traitent de ces sujets-là. Il y aura aussi des arbres, certains arbres spécifiques au paradis, qui ont été cités dans les textes religieux. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna fil jannati la shajaratan, agraakibu au yasiru agraakibu al-jawadu al-mudmiru al-sari'a, mi'ata am. وَقْرَأُوا مَا إِنْشِئْتُمْ وَظِلِّمْ مَمْدُودُ. Donc le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, il y aura au paradis, certes il y aura au paradis un arbre aussi grand ou tellement grand que le cavalier sur une monture ou sur une bonne monture allant très très vite ne pourra le dépasser qu'après 100 ans. Un arbre dont le tronc est aussi large que la distance que parcourrait un cavalier sur un cheval rapide en 100 ans. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Aussi, nous avions cité Sidratul Muntaha, ce jujubier, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien,
فغشيها ألوان لا أدري ما هي. Cet arbre-là sera couvert ou portera des couleurs, je ne sais même pas, je ne peux même pas les décrire. Alors que vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus éloquent des Arabes. Et la langue arabe est une langue éloquente, riche. Le prophète n'a pas pu décrire les couleurs de cet arbre-là. Imaginez-vous. C'est des choses qui sortent de l'entendement humain. Non. Vous voyez le spectre des couleurs, de l'ultraviolet jusqu'aux infrarouges, tout le spectre là, on croit qu'on a tout vu. Vous voyez, on a fait le tour de toutes les couleurs. Eh bien non. Il y a des couleurs qui ne viennent même pas à l'esprit. Aussi, il y a l'arbre de Touba. C'est un arbre gigantesque, gigantesque, à partir duquel les vêtements du paradis seront confectionnés. Ah. Et d'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Bada al-Islam ghariban wa sayaoud ghariban kama bada fa Touba lil-ghuraba » L'islam a débuté étranger parmi les gens et il redeviendra étranger comme il a commencé. Fatouba lil-ghuraba, touba, savons ici deux explications. Touba, ça veut dire une bonne annonce, une grande annonce pour les étrangers. Là, ceux qui feront revivre la sunna après que les gens l'ont fait mourir. Touba, ça veut dire aussi, chez certains savants, cet arbre-là. Touba lil-ghuraba. Ces étrangers auront aussi comme récompense cet arbre de Touba au paradis. Là. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, Touba shajaratun fil janna masiratu mi'ati am masiratu mi'ati am thiyabu ahli al-jannati takhruju min akmamiha. Les vêtements du paradis sortent de ses branches, de ses feuilles. Les troncs, tous les troncs des arbres au paradis seront en or. Tous les troncs des arbres au paradis seront en or. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma fil jannati shajaratun illa wasaquha min zahabin. Il n'y a pas un arbre au paradis dont le tronc n'est pas en or. Non. Autant fait par Cheikh Ezzel Bani. Comment la personne peut obtenir beaucoup d'arbres au paradis? Qui connaît la réponse? Comment la personne peut obtenir, pour son propre compte, beaucoup d'arbres au paradis? Le prophète a dit à cette fois, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, pour chaque parole, un arbre. Imaginez-vous, pour ceux qui font le dhikr après la prière à chaque fois un arbre au paradis. Vous n'aimeriez pas avoir des arbres au paradis, des palmeraies et toutes sortes d'arbres. Là, vous savez ce qu'il faut faire. Concernant les animaux du paradis, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, on peut citer qu'il y aura des chameaux, hein, puisque un homme un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un chameau sanglé, et il a dit, celui-là est fils à Bilillah, ya Rasulallah, je le donne fils à Bilillah. Et le prophète lui a dit, pour ceci tu auras 700 chameaux au paradis. Là, autant tu fais par Cheikh Al-Albani aussi. Pour ce don que tu as fait, tu auras l'équivalent de 700 chameaux au paradis. Aussi, comme on l'a vu dans le fleuve du Kawthar, il y aura des oiseaux au paradis. Non. Donc, tout ceci, il y aura des êtres, des animaux que l'on connaît, qui ont été cités, et d'autres que l'on ne connaît pas. Et que, Inch'Allah, on verra si on fait partie des élus du paradis. Il y a aussi une problématique, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Je vais en parler vite fait, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puisque là, on va rentrer dans, maintenant, après avoir parlé des descriptions du paradis, nous allons rentrer dans les personnes elles-mêmes, là, du paradis, les gens du paradis, les hôtes du paradis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ouvre la parenthèse sur les enfants, ceux qui sont morts enfants. Qu'en est-il de leur sort? Il y a une différenciation à faire entre les enfants musulmans et les enfants mécréants ou associateurs. Concernant les enfants musulmans, il y a presque unanimité. D'ailleurs, Nawawi a signalé l'ijmar, c'est-à-dire le consensus des savants, sur le fait que les enfants des musulmans, ou un enfant, lorsqu'il meurt musulman ou
de musulman, il n'a pas connu d'autre religion, celui-là fera partie des gens du paradis. Hein? Il y a presque unanimité là-dessus. Concernant les enfants des mouchriquines, maintenant, les savants ont divergé. Et certains ont dit que les enfants du paradis seront khadamu, les enfants des mouchriquines, afwan, seront khadamu ahl al-jannah, seront les servants des hôtes du paradis. Ceci, c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh al-Albani. Et c'est d'ailleurs, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, ibn al-Jawzi, ou l'imam al-Qurtubi. Ils disent que les enfants des mouchriquines, ils iront au paradis, mais ils serviront, ils seront les servants, le khadam. Il y a un autre avis chez les savants, c'est entre autres l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'imam Ahmed. Ils disent que les enfants des mouchriquines, ils sont sous la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas dire qu'ils iront tous au paradis. Ils sont sous la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ils seront éprouvés le jour du jugement. Là, on leur demandera de rentrer dans le feu. S'ils obéissent à Allah, ils feront partie des gens du paradis. S'ils obéissent, s'ils désobéissent à Allah à ce moment-là, ils feront partie des gens de l'enfer. Et lorsque le prophète a été questionné sur leur sujet, le prophète a dit, Allah sait mieux ce qu'ils auraient été s'ils étaient vivants. Là, s'ils auraient été musulmans ou mouchriques, ou mécréants. Donc, Allahu a'lamu, ça c'est le qawlu sahih. Wallahu a'lam. À la kulihal, la divergence existe chez les savants. Aussi, avant de refermer la parenthèse, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam représentera, selon un hadith, la moitié des gens du paradis. Le prophète a dit à cette wassalam, Walladhi nafsi biyadi, inni la arju an takunu ruba'a ahli al-jannah. Ruba'a, le quart. Le prophète a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, j'espère que vous constituerez le quart des habitants du paradis. Les compagnons ont dit quoi? Fakabarna afwan. Ils ont dit, Allahu Akbar. Puis le prophète a dit, fa'arju an takunu thulutha ahl jannah. J'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Et les compagnons ont dit, Allahu Akbar. Puis le prophète a dit à cette femme, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Et les compagnons ont dit, Allahu Akbar, troisième fois. Et le prophète a dit à cette wassalam, ma antum fin nasi illa ka sha'aratin sauda fi jaldi thawrin abiyad, ou ka sha'aratin bayda fi jaldi thawrin aswad. Il dit, vous êtes comparable à l'échelle de l'humanité, vous êtes comparable à un poil noir dans un taureau blanc. Ou alors, un poil blanc dans un taureau noir. C'est-à-dire, c'est insignifiant. Par contre, quand bien même on est insignifiant à l'échelle humaine, on représentera au minimum la moitié des gens du paradis. Au minimum. Pourquoi je dis au minimum? Parce que je vais vous rapporter un autre hadith qui nous prouve qu'on sera les deux tiers. Faqad qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ahlul jannati 'ishruna wa mi'atu saffin. 80 minha min hadhihi al-umma wa 40 min sa'il al-umam. C'est un hadith authentique aussi, rapporté par Tirmidhi et autres, authentifié par Cheikh al-Albani. Le prophète a dit, les gens du paradis se constituent de 120 rangées, 120 rangs. 80 rangs sont de ma communauté et 40 des autres communautés. Là, ce qui prouve bien qu'on est bien aux deux tiers ici. Allahu Akbar. Ça y est, je referme cette parenthèse maintenant. Concernant les gens qui rentreront au paradis, nous avons, je vous ai expliqué cette règle, la règle des gens de la Sunna, qui disent qu'on ne doit pas trancher d'une personne qu'elle ira au paradis, sauf si on a un texte clair. عندنا نص صريح. نعم نحكم على أنه من أهل الجنة بعينه. On peut dire de quelqu'un qui fait partie des gens du paradis, précisément lui, si on a un texte, si on a un dalil. Si on n'a pas de dalil, on s'abstient de parler. Hein? Par contre, la chose qu'on a le droit de dire, c'est de désigner des catégories. Par exemple, les musulmans iront au paradis. Ça, on a le droit de le dire, sans problème. Quels seront les chefs du paradis? Sur cette base-là, maintenant, je rentre dans le sujet.
je reviens dans mon cours, quels seront les chefs du paradis, c'est-à-dire les personnes distinguées au paradis, mis à part bien sûr les prophètes. Parmi les adultes, il y aura Abu Bakr wa Omar. Hein? Le prophète a dit à sa toi salam, Sayyida Kuhuli Ahli Jannati, Abu Bakr wa Omar. Les deux adultes les plus distingués au paradis et les chefs sont Abu Bakr wa Omar. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Parmi les enfants, parmi les chefs des enfants du paradis, il y a bien sûr Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les femmes du paradis, les meilleures femmes du paradis. Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala, anhu, qala, khatta Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, arba'ata akhtut. Il a tracé quatre traits, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. Le prophète a dit, ces quatre traits-là, ce sont les quatre meilleures femmes de l'humanité. Khadija bint Khuwaylid, qui est la première épouse du prophète, comme vous le savez. Maryam ibn Imran. Maryam, la fille d'Imran, qui est la mère d'Isa ibn Maryam. Fatima bint Muhammad, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, Asiya bint Muzahim, imra'atu Fir'aoun. Asiya, la femme de Fir'aoun. Ith qalat rabbi badri indaka baytan fil jannah. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Voilà les quatre femmes, les quatre meilleures femmes qui ont foulé la surface de cette terre. Ce hadith-là a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Fi Silsilati Sahiha. Parmi les quatre-là, la meilleure, c'est qui? C'est qui? Khadija? Hein? Maryam. Maryam. Ahsant. Maryamu binatu Imran. Le prophète a dit à Sat wa Salam, Sayyidat Nisa'i Ahli Jannati, Ba'da Maryam. Écoutez bien, Ba'da Maryama, Ibnati Imran, Fatima bint Muhammad wa Akhiri. Donc le prophète a dit, les meilleures des femmes du paradis après Maryam, la fille de Imran, et il a cité les trois autres, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah dit tabarak wa ta'ala. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. يَا مَرْيَمُ alors que les anges ont dit يَا مَرْيَمُ, certes Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi parmi toutes les femmes de l'humanité. Donc c'est la meilleure femme. رضي الله تبارك. D'ailleurs aussi Allah tabaraka wa ta'ala l'a vanté dans le Coran. Wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi aw kutubihi bihasab riwaya wa kitabihi wa kanat min al-qanitin. Description qu'Allah n'a pas donné à d'autres femmes. Oh Maryam, et Maryam, celle qui a garder sa chasteté. Nous avons insufflé en elle notre esprit, à la personne de Isa ibn Maryam. Elle a cru, elle a déclaré foi en son Seigneur et en son livre, et elle était parmi les obéissantes. Al-Qanitin. Al-Qanit, huwa alladhi yudawimu fi at-ta'a. Al-Qanit, c'est celui qui est persévérant et assidu dans l'obéissance d'Allah. Maryam était ainsi, alayhi as-salam. Non. Voilà les quatre meilleures femmes du paradis. Concernant Asiya aussi, écoutez bien, elle a dit, elle a fait cette doa. Elle a été, il faut savoir que Asiya, la femme du pharaon, a été châtiée par son mari. Non, mais elle est restée ferme sur la foi. Et elle a dit, Rabbi banili indaka baytan fil jannah. Regardez bien cette doa qu'elle a dit. Oh Seigneur, construis auprès de toi une demeure.
construis-moi auprès de toi une demeure. Et elle n'a pas dit construis-moi une demeure auprès de toi. Qu'est-ce qu'elle cherchait à Sia? Elle cherchait la demeure du paradis ou elle cherchait la proximité d'Allah? La proximité d'Allah, tabaraka ta'ala. Ceci révèle sa foi et sa sincérité. Concernant maintenant les 10 élus du paradis, aussi le prophète les a cités nommément. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq. Aoula. Thaniya. Omar ibn al-Khattab. Thalitha. Uthman ibn Affan. Rabi'an. Ali ibn Abi Talib. Khamisan. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sadisan. Abd al-Rahman ibn Auf. Sabi'an. Talhatu ibn Ubaidillah. Thaminan. Az-Zubayr ibn al-Awwam. Tasi'an. Sa'id ibn Zayd. Wa'ashiran. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Aussi, j'ouvre une parenthèse pour votre culture, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Concernant Abu Bakr et Talha ibn Ubaidillah, ils font partie de la même tribu, des Bani Taïm. Abu Bakr wa Talha ibn Ubaidillah. C'est pour ceci que souvent vous les verrez ensemble si vous lisez la Sira. Naam, Saïd ibn Zayd et Omar ibn Khattab, les deux c'est des Adawi, Bani Adi. Sa'ad ibn Abi Waqqas ou Abd al-Rahman ibn Auf, c'est des Bani Zuhra, les deux. Bani Zuhra, c'est la même famille que la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lui, il remonte beaucoup plus haut. C'est un descendant de Quraysh, mais pas de la même lignée que le prophète, qui descend, il descend de l'Harith. Non, mais c'est un Quraishi. Ensuite, on a Uthman ibn Affan et Ali. Les deux, c'est des Bani Abdi Manaf. Sauf que Uthman, c'est un Bani Abdi Shams et Ali, c'est un Bani Hashim. Et enfin, il reste Zubayr ibn al-Awwam, c'est un Bani Abdil Uzza, la même tribu, la même famille que Khadija. Bref, tous ces gens-là sont des Qurayshiyoun. Ce sont des Qurayshites. Ce sont les tout premiers croyants. Ils ont une faveur et un faste que les autres n'ont pas. Il y a d'autres élus aussi que le prophète a cité, comme Ja'far ibn Abi Talib, son cousin, lorsque le prophète a dit de lui qu'il l'a vu voler avec des ailes au paradis. Pourquoi ça? Qui connaît l'histoire? Pourquoi il aura deux ailes au paradis? Car la bataille de Mu'ta en l'an 8 de l'Hégire, lorsqu'il a combattu, il s'est fait couper ses deux bras et il a continué à combattre. Allah lui a octroyé à la place deux ailes par lesquelles il volera au paradis. Allahu Akbar. Aussi, Abdullah ibn Salam, ce juif qui s'est converti à l'islam, il s'est mis à dos toute sa communauté. Aussi Zayd ibn Haritha, qui est Hibbun Nabi As-Sakwasam, le bien-aimé du prophète. Et le prophète a dit, j'ai vu un rêve au paradis, j'ai vu une servante. Et il lui a dit, à qui appartiens-tu? Elle a dit, j'appartiens à Zayd ibn Haritha. Il y a aussi Bilal ibn Rabah. Lorsque le prophète a dit, j'ai entendu ses pas au paradis. Tout ça, ce sont des grands hommes, mes frères. Des grands hommes qui ont foulé la surface de cette terre. Et bien sûr, ce sont nos modèles, nos héros. Nos modèles, ce n'est pas Victor Hugo ou Voltaire ou je ne sais trop qui. Encore moins Messi et Zidane. L'âme. Nos héros, ce sont des hommes, dans le vrai sens du terme. Des gens qu'Allah a agréés et a aimés, tabaraka wa ta'ala. Et Inch'Allah, on les rencontrera au paradis. Concernant la description des gens du paradis. Qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, khalaq Allah azza wa jalla Adam ala suratihi touluhu 60 zira'an. كل من يدخل الجنة على سورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils rentreront au paradis, seront à l'image de Adam. C'est-à-dire dans une constitution parfaite, d'une hauteur de 60 coudées. La coudée, c'est à peu près un demi-mètre, à peu près. Donc vous calculez 60 divisé par 2, 30 mètres. De hauteur. Les gens au paradis auront cette taille-là. Hadith rapporté par l'imam muslim, d'après la version de Abi Hurayrata radiallahu anhu. Aussi, qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, yadkhulu ahlul jannati, jurdan murda, ka'annahum makhouluna, abna'u thalathi wa thalathin. Prophète a dit à cette fois ça, hadith authentique, les gens rentreront au paradis, jurdan, c'est-à-dire ils n'auront aucun poil sur le corps. Non. Certains ont dit qu'ils n'auront aucun cheveu aussi. Mordan, ils seront imberbes.
La brad, c'est les gens à barbe, qui n'ont pas de barbe. Ka'annahum makhouloun. Et leurs yeux seront comparables à ceux qui se mettent du khoul. Ils auront l'âge de 33 ans, qui est un âge où la personne est en pleine constitution. 33 ans, comme l'a dit Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Non, les frères, les délices du paradis sont nombreux. Les délices du paradis sont incomparables à ceux de cette vie d'ici-bas. Et les bienheureux du paradis jouiront de tous ces délices en vivant une vie pleine d'allégresse, de joie, de confort et de repos. Ils ne seront à aucun moment touchés par la maladie, l'affliction, la fatigue et encore moins la mort. يقول الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمخ فيها ولا تضحى. Et certes, tu ne connaîtras pas la faim, ni tu ne seras nu, tu n'auras pas soif et tu ne seras pas touché par l'ardeur du soleil. Ils mangeront par plaisir et non par faim. Leurs récipients seront d'or et d'argent et de cristal. Et on circulera parmi eux avec des récipients en or ainsi que des gobelets ou des verres. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Et on tournera parmi eux avec des récipients d'argent et des coupes de cristal ou des coupes cristallines, dont le mélange sera savamment distribué et proportionné. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu s-salihati جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Certes, Allah fera rentrer au paradis ceux qui auront cru et auront fait de bonnes œuvres. Paradis sous lesquels coulent des ruisseaux et ils porteront des bracelets en or et des vêtements de soie. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. Et aussi, on les fera rentrer dans les jardins d'Eden, où ils seront parés de bracelets en or et ils porteront des vêtements de brocart et de soie vert. Naam. As-sundus ou al-istibraq, as-sundus, c'est ce qu'on appelle al-dibaj, c'est un vêtement qui est épais. Alors que istibraq, c'est le même vêtement mais beaucoup plus fin. Naam, comme l'a dit Abdurrahman ibn Sa'di dans l'explication de ce verset. Ça, c'est concernant leurs vêtements. Leur lit, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. Wujuhun yawmaydin na'ima li sa'iha radiya fi jannatin 'aliya. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans des hauts jardins où ils n'entendront aucune futilité. Il y aura une source coulante. فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y aura une source coulante, des divans élevés, des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Accoudés sur des coussins verts et de beaux tapis. Non. Ce n'est qu'une description succincte que je vous ai faite. Non, mais le Coran regorge de descriptions de ce type. Non. Sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yaj'alana min ashab al-jannah. Aussi au paradis, il y aura un marché, un souk. Et l'imam al-Nawawi a dit que ce souk-là, en fait, qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un endroit où se rassembleront les gens. Comme on se rassemble au marché dans cette vie d'ici-bas. Le prophète a dit alayhi wa sallam, il y a au paradis un marché, ils y viendront chaque vendredi, et un vent du nord soufflera sur leur visage et leurs vêtements.
et ils deviendront plus beaux et de meilleure apparence qu'auparavant. Leurs proches leur diront, de retour chez eux, « Par Allah, vous vous êtes embellis » et eux de répondre « Par Allah, vous aussi ». Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 2844. L'imam al-Nawawi a dit que ce marché est comme un lieu de rassemblement. Pourquoi ce vent du nord ? Le prophète a cité ici un vent du nord au paradis. Il faut savoir que chez les Arabes, le vent du nord, c'est celui qui est souhaité, qui est voulu. Pourquoi ? Car c'est un vent qui apporte les pluies. C'est un vent qui vient du Shem. Non ? Donc il est beaucoup plus frais, il apporte les pluies en général. Donc les Arabes aimaient le vent du nord. Non ? À cause de la pluie qu'il apportait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit qu'au paradis, un vent du nord viendra. Non ? Et qui rendront les gens du paradis encore plus beaux qu'avant. Aussi, les gens au paradis discuteront ensemble, notamment de leur vie d'ici-bas. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Les femmes du paradis, les femmes des croyants dans cette vie-là, où la femme du croyant dans cette vie-là sera son épouse au paradis, à condition qu'elle fût pieuse. وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ Les jardins d'Éden où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants qui ont été de bons croyants. Leurs ascendants ici, مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ c'est-à-dire leurs pères, leurs ancêtres et leurs épouses. Donc, la personne qui aurait été mariée dans cette vie-là, il retrouvera sa femme dans le delà à condition que cette dernière ait mérité le paradis. Aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Rentrez-vous ainsi que vos épouses au paradis tuhbarun, c'est-à-dire que vous y serez accueillis et vous y serez fêtés. On vous accueillera au paradis dans une fête. De même, la femme sera au paradis avec son dernier mari. Vous savez que les hommes au paradis auront plusieurs femmes. On avait expliqué qu'avant de rentrer au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala va laver les cœurs et purifier les poitrines. Il faut bien comprendre que les femmes du paradis, ou la femme qui aurait été ton épouse dans cette vie-là, elle n'aura aucune jalousie envers les femmes que tu auras au paradis. Il faut le savoir, ça. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ Nous ôterons de leur poitrine toute jalousie, toute rancœur, tout défaut du cœur. نُزِعَ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ جَمِيعُ آفَاتِ الْقُلُوبِ نِهَائِيًا حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَنِ a dit à son épouse, si tu le souhaites, tu pourras être mon épouse au paradis. Ne te remarie pas après ma mort. Car la femme au paradis sera avec son dernier mari. Donc, si elle avait décidé ou si elle voulait être avec Hudhayfa, alors, après la mort de Hudhayfa, elle prendrait la décision de ne pas se remarier avec quelqu'un d'autre afin de pouvoir être sa femme au paradis. On a aussi la fille de Abi Bakr, Asma, qui était mariée avec Zubair ibn al-Awwam, comme vous le savez. Et elle s'est plainte auprès de son père, elle dit « Zobel, il est dur envers moi, etc. » Alors, Abou Bakr lui a dit « Oh, ma fille patiente. » Il dit « C'est un homme vertueux. » Et il a dit « Patiente. » Car si tu es sa femme dans cette vie-là et que tu ne te remaries pas, tu seras sa femme au paradis. Ce qui est une bonne transition pour parler de ce qu'on appelle « Hur, Hurul In » au paradis. C'est-à-dire les houris aux grands yeux. Ce sont des femmes du paradis qu'Allah a réservées pour les croyants et leurs caractéristiques sont nombreuses dans le Coran. El-hour, ça vient de l'hawar. El-hour, ici, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la blancheur de leurs yeux et en même temps la noirceur de leurs yeux. C'est-à-dire le blanc est d'un blanc étincelant, éclatant et la noirceur, la pupille, est d'un noir aussi notoire. Aussi, ça veut dire aussi qu'elles auront de grands yeux. Ces deux sens-là sont compris dans le terme de hour. Ah, mais quoi ? Elles auront de grands yeux. C'est pour ça qu'on dit les houris aux grands yeux. Aussi,
Allah dit tabaraka wa ta'ala dans leur description. Kawa'iba atraba. Al-kawa'ib. Al-ka'ib, c'est une femme dont sa poitrine est ferme. Naam. Atrab, elles auront toutes le même âge. Naam. Abkara, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Waqi'a, Abkara. وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. أَبْكَارًا, c'est-à-dire elles seront vierges. Elles n'auront jamais été mariées auparavant. عُرْبًا, c'est quoi l'عُرْبًا? L'عُرْبًا, عُرْبًا ici, ça veut dire aimante. C'est-à-dire que les femmes du paradis, elles te montreront de l'affection et de l'amour. Aussi, elles baisseront le regard devant leur mari. Puisqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, فِيهِنَّ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ. Il y aura dans ce paradis aussi, قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ, ces femmes-là qui baisseront le regard devant leur mari. Des qualités qui sont recherchées chez une femme. Taïb. Aussi, le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, si une femme du paradis apparaissait aux gens de la terre, elle illuminerait entre le ciel et la terre et la remplirait de sa bonne odeur. Ibn Majah rapporte que le martyr épousera 72 houri au paradis. Le martyr, le shahid. Aussi, les femmes du paradis, elles jalousent leur coépouse d'ici-bas. Si toi tu es destiné au paradis, alors lorsque je vais vous rapporter la parole du prophète directement, vous allez comprendre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi rapporte par une chaîne de transmission authentique dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, où le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, La tu'zi mra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ayn, la tu'zihi qatalakillah. Wa huwa dakhilun 'indaki. Yushaku an yufariqaka ilayna. C'est-à-dire, il n'y a pas une femme dans cette villa. Il n'y a pas une femme dans cette villa qui porte préjudice à son mari sans que son épouse au paradis, témoin de ceci, lui dise ne lui porte pas préjudice qu'Allah te perde. Quant à la killa. Car il vit auprès de toi. Et il se peut qu'il te quitte d'ici peu pour revenir vers nous. Donc lorsque son mari, cette femme, cette Hurn'in qui t'a été prédestinée, elle voit que tu subis l'injustice de la part de ta femme, elle se met en colère contre sa coépouse. Ça, ce ne sont que quelques délices du paradis. D'après Abi Saïd, al-Khudri radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah dira aux gens du paradis, ô gens du paradis, ils dirent, nous voilà à toi, ô Seigneur. Tout le bien est entre tes mains. Il leur dira, êtes-vous satisfaits de tout ceci? Ils répondront, comment ne serions-nous pas satisfaits, ô Seigneur? Tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre parmi tes créatures. Il dira, Allah tabaraka wa ta'ala, ne vous donnerai-je pas meilleur que ceci? Ils diront, et qu'y a-t-il de meilleur que ceci? Il dira Ta'ala, je vous ai agréé, et à partir d'aujourd'hui, je ne me mettrai plus en colère contre vous. Allahu Akbar. Là, hadith authentique. Le prophète a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les habitants du paradis seront rentrés, le Très-Haut dira Tabaraka wa Ta'ala, voulez-vous que je vous rajoute? Afala azidukum. Ils diront, n'as-tu pas illuminé nos visages? Alam, oh ama bayyatta wujuhana. Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et ne nous as-tu pas préservé du feu? Il dit, le rapporteur du hadith, à ce moment-là, le voile tombera. Il n'y aura pas une chose qu'on leur aura donnée plus aimée auprès d'eux que de voir et de contempler leur Seigneur, Jalla wa Ala. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et a lu le verset coranique suivant, « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ » Pour ceux qui auront fait le bien, il y aura « الْحُسْنَى » qui est le paradis. « وَزِيَادَةٌ »
wa ziyada, et un surplus, ou quelque chose en plus. Et le prophète l'a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, cette chose en plus que vous aurez en plus du paradis, c'est lorsque vous verrez votre Seigneur. Allah. Sallallahu tabarak wa ta'ala, yumati'ana. Bi'ru'yati la wajhihi, tabarak wa ta'ala. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que le voile de sa majesté sur son visage qui s'interposera entre les habitants et le fait qu'ils voient leur Seigneur. Le même Malik, rahmallahu tabarak wa ta'ala, a été questionné sur le verset suivant. Allah dit, jalla wa ala, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Alors des gens sont venus voir l'imam Malik et l'ont dit, il y a certaines personnes qui disent que ce sera la récompense d'Allah qu'on verra et pas son visage. L'imam Malik a répondu, ils ont menti. Que disent-ils de la parole d'Allah ? كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون. Non, certes, ils seront voilés de leur Seigneur ce jour-là en parlant des mécréants. Imam Malik a dit ensuite, les gens verront Allah dans l'au-delà de leurs propres yeux. Et si ce n'était ainsi, Allah ne nous aurait pas informé que le mécréant serait voilé. L'imam Abdurrahman ibn Sa'adi a dit, en commentaire de ces deux versets du Coran, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, éclatants de beauté, et qui regarderont vers leur Seigneur. Il dit, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, c'est-à-dire beaux et éclatants, illuminés, de par le fait qu'ils sont dans les délices du cœur, de la resplendissance de l'âme et de la jouissance de l'esprit. Ils regarderont vers leur Seigneur, ils regarderont leur Seigneur chacun selon son rang et son degré. Il y aura ceux qui le verront tous les jours, matin et soir, et d'autres qui le verront qu'une seule fois le vendredi. Ils jouiront à la vue de leur Seigneur de sa noble face et de sa beauté, qui n'est comparable à aucune autre beauté. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Lorsqu'ils le verront, ils oublieront tous les délices du paradis et seront dans un bonheur et une jouissance indescriptibles. Leurs visages deviendront éclatants et leur beauté sera accrue. Nous implorons à Allah qu'il nous compte parmi eux. Intaha kalamuhu. Rahmallah tabaraka wa ta'ala. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمة وحنان فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواه مسلم ببيان. Il dit, Alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala, n'as-tu pas entendu l'appeleur de la foi, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informer que ce jour-là au paradis, quelqu'un appellera, ô vous les gens du paradis, vous avez une promesse de la part du tout miséricordieux, et certes, il remplira sa promesse, sans aucun doute. Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages et alourdi nos actions dans la balance des bonnes actions? Et ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et préserver du feu de l'enfer? Il dira, j'ai une promesse à accomplir et il est temps que je vous la donne par ma miséricorde et ma compassion. Et ils verront alors, après que le voile tombera, ils verront leur Seigneur de leurs propres yeux, comme ceci a été rapporté par Muslim en toute vérité. Aussi, ça c'est la plus grande chose que la personne pourra acquérir au paradis, voir son Seigneur. Et parmi leurs invocations au paradis, leurs dernières paroles, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. Et dirons la louange à Allah qui a repoussé de nous l'affliction ou la difficulté plutôt. Et certes, notre Seigneur est grand pardonneur et très reconnaissant. C'est celui qui nous a installés dans la demeure de la stabilité, dans laquelle il n'y aura ni fatigue ni lassitude. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ils diront la louange est à Allah qui a rempli sa promesse et qui nous a fait demeurer dans le paradis. Et quelle bonne récompense pour ceux qui ont agi. ويقولون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Et leur invocation ce jour-là sera سبحانك اللهم. Pureté à Allah, ô toi Seigneur, pureté ô toi Seigneur, et louange. Et leur salut sera le salam, et leur dernière parole sera la louange appartient à Allah et exclusivement à Allah, le Seigneur des mondes. Il faut savoir que les louanges qu'ils diront au paradis seront des louanges dans lesquelles ils éprouveront de la jouissance. Contrairement aux louanges que l'on peut dire ici, qui nous demandent un effort, une patience. Ces louanges-là, ce seront en eux-mêmes des délices, comme l'a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بدخول الجنة والبقاء فيها ونسأله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أن يرحمنا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار ونسأله جل وعلا أن يميتنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين إنه الولي بذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sur ces belles paroles, cette série s'achève inshallah tabaraka wa ta'ala. Bifadlillah tabaraka wa ta'ala, mois de Safar 1436 de l'ère égyrienne. Inshallah tabaraka wa ta'ala, subhanak Allahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.